décidé à terminer le travail commencé la semaine passée en accueillant Mazembe lors de son escale à Johannesburg. L'équipe Fiston Mukumbi d'ensemble a justement voulu aller achever le travail commencé en assistant l'équipe lors de son match retour contre Royal à Durban. L'équipe a pris la route à partir de 4h du matin en quittant Johannesburg très tôt et ils ont fait à peu près 600 km, distance qui sépare Johannesburg à Durban. Ils ont fait une petite escale où ils se sont ressourcés un peu en prenant un petit déjeuner et après ils ont repris la route et ils sont arrivés à Durban vers 10h. Aussitôt arrivés, ils ont pris le bâton de pèlerin en conscientisant justement le fanatique
et dans la rue, porte à porte, dans les salons de coiffure d'Urban, où ils avaient intéressé beaucoup de supporters en leur demandant d'aller se procurer des billets qui leur permettront d'entrer dans le stade de Modiba Stadium. En fin d'après-midi, ils se sont ressourcés, ils ont pris un petit sandwich justement pour se préparer pour le match où ils devraient faire le fanatique et puis électriser le gradin du stade Modiba Stadium pour inciter Mazembe à aller jusqu'à la victoire finale. Arrivés au stade vers 17h, ils ont continué à huer, à chanter, à mobiliser et à crier à ce que Mazembe puisse aller de l'avant et aller arracher cette victoire. Right.
portes d'entrée. Ils ont eu des tractations là-bas, il y a eu des problèmes. On ne sait pas quelles ont été les instructions pour empêcher les supporters de Mazembe d'entrer dans le stade. Mais après beaucoup de négociations, il y a eu dénouement et enfin les supporters et l'équipe conduite par Fiston Mukumbi ont été permis d'entrer au stade. Et là, il y a eu des chansons qu'ils ont commencé à chanter et à encourager Mazembe pour gagner ce match. L'ambiance était électrique dans le stade, il y a eu des chansons, il y a eu des incidents, mais que la sécurité a pu maîtriser. Et surtout que lorsque les supporters de Mazembe ont remarqué la présence du chairman lui-même dans le gradin, c'était vraiment de l'ambiance et tout le monde était content. Mazembe a tenu bon et à la fin du match, ils ont pu quand même remporter. Mais nous apprenons... Jusqu'à présent, ces biens-là n'ont jamais été retrouvés et que les joueurs sont encore bloqués ce jeudi à Durban en attendant que la situation se dénoue. Nous espérons que cette situation-là va se dénouer et que la CAF va prendre des dispositions afin que ces histoires ici ne puissent se répéter. Voilà, c'est vers 23h30 que, avec joie que cette équipe dirigée par le président Fiston Mukumbi a pu regagner, donc pris la route pour revenir à Johannesburg. Merci donc pour nous avoir suivis et nous vous retrouverons dans le prochain numéro. Au revoir.